Au lendemain de la mort de Tina Turner à l'âge de 83 ans, Afida Turner était l'invitée de Cyril Hanouna sur le plateau de TPMP. Les téléspectateurs l'ont connue en 2002 lorsqu'elle se faisait appeler Leslie dans l'émission de télé-réalité Loft Story 2 diffusée sur M6. Après avoir entretenu une relation avec le rappeur Coolio puis l'ex-boxeur Mike Tyson, Afida Turner a épousé, en 2007, Ronnie Turner, le fils de Tina et Dyke Turner, devant la belle-fille de l'interprète de The Best. Après son mariage avec Ronnie Turner, Afida Turner démarre une nouvelle vie aux États-Unis et noue une relation privilégiée avec sa belle-mère. Un lien sur lequel elle est revenue face aux chroniqueurs de TPMP. Afida Turner a appris la mort de sa belle-mère alors qu'elle s'apprêtait à monter les marches du Festival de Cannes. Sur son compte Instagram, elle a immédiatement réagi, « Je parlais justement de toi il y a 5 minutes, avant que cela arrive, Anise. Je sais combien elle aimait le sud de la France. Repose en paix, ma belle-mère, avec Craig et Ronnie », a-t-elle écrit. Sur le plateau de TPMP, Afida Turner a expliqué avoir vu sa belle-mère pour la dernière fois à l'enterrement du fils aîné de la star du rock'n'roll, Craig, décédé en 2018. C'est assez compliqué, a-t-elle révélé. L'ex-candidate de télé-réalité a aussi révélé les bons moments avec sa belle-mère, les meilleurs moments avec Tina, c'était à Saint-Jean-Cap-Ferrat, a-t-elle confié. Ça fait beaucoup sur le plateau de TPMP, Afida Turner a confié sa tristesse. En décembre dernier, la jeune femme a dû surmonter la mort de Ronnie Turner, avec qui elle était séparée mais dont elle n'avait jamais divorcé. Il y a eu Coolio, il y a eu Ronnie et là maintenant, Tina, en 6 mois. Ça fait beaucoup, a-t-elle expliqué. Afida Turner est revenue sur le jour où elle a découvert le corps de son beau-frère, Craig Turner, suicidé d'une balle dans la tête en 2018 à l'âge de 59 ans. Elle a révélé avoir, elle-même, découvert le corps. Si est-il pas facile à gérer. Si est-il très choquant, quand vous retrouvez des gens par terre, avec du sang partout, si est-il catastrophique, a révélé la chanteuse, visiblement abattue par ses disparitions en chaîne.